Bonjour tout le monde, bienvenue à la Web Réalité Inspirante Synergie. Aujourd'hui, nous sommes à Drummondville pour le web épisode Réchauffer les cœurs. Nous nous apprêtons à aller rejoindre une candidate que nous avons sélectionnée qui est dans le besoin. Nous allons nous faire vivre une journée remplie d'espoir et de surprises. Allons vivre cette aventure et propager le bonheur. Maintenant, on appelle Catherine. Catherine? Oui? C'est Stéphane de Synergie, ça va bien? Oui, ça va bien, Stéphane, toi? Ben oui, super. C'est pour te dire que t'es la finaliste pour la web épisode Réchauffer les cœurs. Ah, oh, oui! Est-ce que t'es contente? Oui, je suis vraiment heureuse. Et voilà, une heureuse candidate pour une nouvelle web épisode de Synergie. Bonjour Annie. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Oui, ça va bien. Eh oui, content de te voir. Oui. Annie, on a trouvé notre candidate pour la web épisode Réchauffer les cœurs. Exactement. Notre belle visite est arrivée pour toi. Alors, je te présente Stéphane. Bonjour Catherine. Enchantée, Stéphane, Synergie. Alors, Catherine est là. Elle fait un parcours avec nous au Carrefour dans les dernières années pour son retour à l'école, pour sa recherche d'emploi. On était tellement fiers de constater sa persévérance à tous les jours, sa grande volonté à réussir que lorsque vous nous avez demandé d'identifier quelqu'un, c'est donc Catherine qui nous est venue sur le bout des doigts. Ça semble un super bon choix justement et c'est une personne qui va pouvoir vivre beaucoup d'espoir aujourd'hui, plein de surprises avec nous. Alors, enchantée Catherine. Merci beaucoup. Est-ce que tu es prête à cette journée? Ah, je suis super prête. Parfait. Merci beaucoup Annie. On va aller vivre bonne ça. Journée, Catherine. Prends soin de toi. Oui, c'est toi. Prends soin de toi. Oui, la fais confiance. Ok, on y va. Allez, bonjour. Et là, petite surprise que tu vois devant toi. Devant moi? Direct devant toi. La caméra? Oui, on fait ça en réalité. Tu vas avoir un beau petit bandeau que tu peux mettre comme ça, tu vois pas où ce qu'on va. Ah oui! Ouais. Je laisse le de mettre le bandeau. Ok, ok, je mets ça. Donc, je te dis quand on le met, je te dis quand on l'enlève aussi. Ok, ça fait quasiment un an que je vivais de bas salaire avec un bien-être qui vient combler puis que c'est pas assez pour ce qu'on a dépensé dans le mois. J'ai réussi à vivre comme ça pendant presque un an, sans rien manquer quand même. Puis là, aujourd'hui, enfin, je travaille, je vais avoir des payes, j'aurai pas à me soucier de mes problèmes financiers. Qui nous regarde, ce que tu sais présentement de la journée, qu'est-ce qui s'en vient? Hey, je sais rien! Je sais juste qu'il va y avoir plusieurs surprises et tout. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Comment tu te sens là, présentement, avant d'enlever le bandeau? Je brille complètement. Ah oui, ça doit, mais de 1 à 10, le niveau d'excitation, c'est combien? Ah, je dirais moins 8. Au moins 8, le parfait, on va te monter ça encore un petit peu. OK. Alors, enlève ton bandeau et regarde-moi. Ah, oh, la lumière. C'est parfait. OK. Aujourd'hui, tu te fais gâter, Catherine. Oui. Alors, j'ai le plaisir de t'annoncer que le magasin Tic Géant t'offre un certificat cadeau de 100 000 $ pour te réchauffer et pouvoir t'habiller encore plus. Ah, oh, tu brilles! Voilà, ouais. Tic Géant, aujourd'hui, est avec nous. Et wow. On part magasiner. Ah, tu es sérieux? Ah, il va! Bon, on va à la cabine d'essayage? Oui! Un petit tour, hein? Tu te sens bien dedans, t'es...
je leur passe. Ok. Ouais, c'est super beau ça. Ouais. Comment je t'habille, ça doit fitter. Ouais, c'est vrai que ça fit. Ok, t'es sur les petits souliers. Oui. Ouais, mon nom, t'en vas vraiment un petit peu plus haut. Juste voir. Ok. Tu veux-tu marcher un petit peu avec pour voir que ça a l'air de. Du côté en arrière. C'est vrai que c'est un beau style. Celle-là? Oui. Super. Neuf. Ben oui, tu l'as aujourd'hui. Oui. Neuf à toi, ouais. Je suis pas contente. Je vais remettre le bandeau pour le prochain endroit où est-ce qu'on s'en va. Une autre surprise. C'est parfait, on part. Parfait. C'est très agréable de magasiner avec un gars qui prend soin de toi de même, là. Ah, c'est gentil. Ben oui, on veut propager le bonheur. Oui, aussi, tu fais bien ça, Stéphane. Qu'est-ce que tu penses? Et... J'en ai aucune idée. Là. Aucune idée. Complètement dans le néant. Alors, t'es-tu prête? Oui! Pour la deuxième surprise? Oui! Vraiment prête? Trop prête! Tu peux l'enlever ton bandeau. OK. Oh! Oh, on a la face de bouteille de ville. Ah oh, oui, je trouve ça vraiment bien, l'idée de bander les yeux, parce que je suis encore moins comme ma tante de mesure. Manger santé, c'est important. Oui! Alors, extrême pita. Oui! Tough, un certificat cadeau. De 40$ pour manger ici quand tu veux toute l'année pour pouvoir venir manger au Extreme Pita. Ah, oui, attends, c'est cool! Tout est prévu d'une manière pour ça. Ouais. Puis pour le troisième endroit aussi. Alors, on y va? C'est parti, mon kiki. Excellent, c'est parti. Voilà, je m'appuierai. Contribue à ton bonheur et te donner de l'espoir. Ah oui! Mais voyons donc! Épicerie Super C. Ah, voyons donc! T'offres un panier d'épicerie d'une valeur de 150$. Non! Oui! Aïe aïe! Est-ce que t'es contente? Mais oui, je suis contente! Je capote! Hey, moi qui vais au comptoir alimentaire, là, on choisit pas nos aliments. Hein? Puis d'aller à l'épicerie puis choisir ce que tu veux, ça c'est un bonheur que bien souvent les gens oublient. Et c'est, voilà! C'est, oui. Ah, merci! C'est à ton tour! Ah! Je suis vraiment contente! On y va! Oui. Tu vas à l'épicerie pour vrai? Oui. Bonjour! Oui, ça va bien? Catherine! Oui! Bonjour, on est directeur du PRC. Hey, bonjour, enchanté! Plaisir! Oui. Une bonne journée pour vous! Oui, ma femme! Quelle surprise, oui! Oh. Vraiment, je suis chanceuse! Au nom de Super C, ça nous fait plaisir de vous remettre 4 cadeaux de 150$ d'épicerie chez Super C. Donc, on vous souhaite un bon magasinage. Félicitations! Comme je disais à Stéphane, je ne l'ai pas souvent ici, je ne l'ai pas sorti fort, mais je ne l'ai pas fait votre ici. Parfait. Merci, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Merci. Merci, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est le fun d'avoir la bonté et la générosité là-dedans. Zucchini, ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné. C'est de bon. Pourquoi tu pourrais pas? T'as un certificat cadeau, 150$. C'est tellement drôle. Ben oui, amène ça, on va le prendre. Certainement. C'est tellement drôle de prendre ce que je veux. Thank you.
frigidaire. Ah, ouais. Ben oui, bien certainement. Si je regarde ton panier. Ouais, ah, c'est ton panier. Ouais. Regarde ton bandeau, j'ouvre la fenêtre. Tu peux enlever ton bandeau maintenant? Ah oui? Okay. Oui, déjà. Déjà? Oui, comme tu vois, Francis est là. Allô? Alors, Catherine? Qu'est-ce qu'il y a encore? Un autre cadeau, une autre surprise! Eh, voyons donc! Oh, les massothérapeutes mobiles. Non! Denis Chartier. Non! Émilie Beaulieu de Drummondville. Non! T'offres un massage d'une heure, une valeur de 55$. Wow! Merci beaucoup! Tu vas avoir ton massage, même le massage des joues, tu vas l'avoir. C'est ça qu'elle disait tantôt, elle rit beaucoup, alors... Oui, je vais cramper! Est-ce que t'es contente? Aïe, 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 j'en ai besoin, là! Ah, j'ai douleur dans le dos, là. C'est sûr que je vais aller bientôt! Ça va faire du bien, tu te relaxer après une belle journée comme ça, là. C'est sûr, c'est excitant, mais c'est stressant en même temps, alors regarde. God, t'es lourd! Une heure pour toi. Aïe, un autre que j'ai deviné, j'aurais pas fait le ouais, elle en a parlé tantôt, c'est vrai. Bon, maintenant, est-ce qu'on va manger? Oui, j'ai okay. faim. OK, on y va. OK, go. Le bandeau remet. OK, j'y vais. Et c'est parti. Hey, wow, yeah. T'as pneu, ça y est, c'est massage, bon, hein? Mais oui. Tu peux l'enlever? Regarde-moi. OK. Donc, yes. Catherine. T'es prête pour ta prochaine surprise? Oui! D'accord. Guy Descoteaux, artiste coiffeur, t'offre un nouveau look. Non! Oui! Hey! Il t'attend justement là-bas. Non! Oui! Mais voyons donc! J'ai trouvé la porte. Après toi. Guy, Catherine. Salut! Ça va bien, Catherine? Oui! Prête? J'aime ça que, tu sais, que quand, mettons, je les laisse friser, tu sais, qu'ils retombent bien, puis que je suis capable de faire plein de peignures avec mes cheveux. J'aime ça, tu sais, varier, puis... ouais. Oui, on a du bon monde ici. Ça fait un plaisir, ma chère. Merci beaucoup. Ça va être comme la prochaine étape. Hein? Ah, salut! Satisfaite du résultat? Extra satisfaite! Super! C'est alors, super! On continue pour la prochaine surprise! Ah, oh, c'est comme je suis tombée! Hey, mais quelle aventure! Je suis retournée dans le noir. Je vois absolument rien. Dans mon rôle d'aveugle. On peut l'enlever. Parfait, Catherine. Oui. T'es-tu prête pour une de tes dernières surprises? Oui. Oui, parfait. T'as un certificat cadeau ce soir. Table d'eau. Bouteille de vin. Apéritif qui t'est payé par le restaurant Laudica. Mmh. Oui. Oh, ouais. Alors, on va souper. C'est un 4 services. Mmh. Que tu veux payer la traite ce soir. Mmh. On y va. Oui, on y va. Oui, mais ça. Oui. Allô, Stéphane. Merci. Et sais-tu quelle valeur que ça a?
Non. Le certificat cadeau, c'est une valeur au moins de 100 $. Ah, ouais? Ah, ouais, c'est fantastique. Pour toi? Pour toi. Pour moi? Oui. Les grosses crevettes Black Tiger. Wow. Merci. Ça me fait réussir. Wow. Les grosses coupes. Merci. Oui. Alors, pour maintenant, on a le problème. Merci, la soupe à l'oignon. On se fait ça un chin? Hey, on a passé la même chose en même temps. Parfait, on fait ça. On fait ce chin-là à ce moment de bonheur? C'est le moment de bonheur. Parfait. Au bonheur. Au bonheur. C'est quoi déjà l'hôtelier? Soupe. Nos oignons et bière. C'est un risotto. Risotto? Wow. Merci beaucoup. Est-ce que tu serais prête pour une autre petite surprise? Hey! Oui! Ah ben oui, il en reste encore un peu. Non, on y va. L'Institut Audrey Sylvestre Esthétique t'offre un certificat cadeau de soins du visage de valeur de 75 $. Hey! Oui! Merci. Ton nom est dedans, tu les appelles pour prendre rendez-vous quand tu veux. Pour avoir le soin complet du visage. Un feu d'artifice. Un feu d'artifice dans ma vie, c'est ça. C'est des cadeaux, c'est des plaisirs. Qu'on peut pas s'offrir en même pas toute une année que j'ai eu en une seule journée. Quel a été le moment marquant de ta journée? Toutes les petites surprises que vous avez amenées à travers ça, les endroits que vous m'avez amenés, puis le coiffeur aussi, avec le champagne. Tu sais, tout était magnifique, là. Tout était super, c'était une surprise gagnante, là. Vous avez vraiment réussi là, à faire de cette journée-là. De quoi de fantastique dans ma vie, là. Entre les surprises, il y avait d'autres cadeaux. Ouais. T'en as un autre présentement qui s'en vient. Mais non, là! Oui. Ah! Je te donne mon livre. Ah! Dédicacé. Ah! Mon premier livre d'une trilogie, Le monde merveilleux des possibilités. Livre de motivation pour inspirer les gens à affronter leurs peurs, se réaliser, réaliser leurs rêves aussi. Ah, merci, Stéphane! Wow! Avec plaisir. Les pages, wow, c'est bien unique. Raconte-nous une étape de ta vie où l'espoir t'a redonné le goût de vivre? Ben, j'en ai vécu beaucoup de choses, mais la dernière, c'est vraiment le 12 juillet 2011, ça a basculé dans ma vie parce que j'ai failli mourir, j'ai eu un gros accident d'auto, j'avais un remplacement à Cap-de-la-Madeleine, puis pour le centre de réadaptation de déficience intellectuelle, c'était un centre d'animation parce que c'était des colos de polyhandicapés. Puis je suis tombée responsable vite du centre d'animation parce que l'éducatrice est tombée en congé maladie après quelques semaines. Donc, je formais les remplaçantes. Puis bon, je suis tombée en surmenage de travail. Puis un soir, c'est ça, que je revenais de travailler, j'arrivais de Drummond. J'étais fatiguée, je m'endormais au volant, je me réveillais à tout bout de champ. Puis là, ben, j'ai fait un dépassement sur le boulevard Jean-Brébeuf. Je me suis endormie avant de revenir dans ma voie, puis j'ai rentré dans une auto parquée. Fait que là, j'ai fait 3 tonneaux dans les airs, j'ai atterri sur le capot. J'en revenais pas d'être encore vivante, je me regardais. Je sais pas, attends, j'essayais de sentir mes douleurs, je les sentais pas sur le coup avec l'adrénaline, mais... Puis là, ben j'ai sorti de la voiture par la fenêtre. Puis là, ben je me suis ramassée vite à l'hôpital et tout, ça a pas été facile. Là, tu sais, les douleurs, là, ça relâchait pas après parce que j'avais une entorse cervicale, des côtes déplacées, la clavicule affaissée, en tout cas, c'est... Fait que ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse m'en remettre. Puis à un point tel, les douleurs, que je me demandais si je pourrais revenir normal un jour. Puis là, ben j'ai eu la chance là, que la vie me mette sur mon chemin un thérapeute qui me traitait gratuitement. Puis c'était un ami à mes parents. Puis ce thérapeute-là, je m'en donnais, je me suis mis à pleurer dans ses bras. Puis je disais, est-ce que je vais m'en sortir, tu sais? Puis il m'a dit, oui, Catherine, tu vas t'en sortir. Il m'a redonné l'espoir. Fait que depuis, ça a changé ma vie, ce que j'ai vécu là, à ce moment-là. Ça a pris 2 ans avant que je m'en remette, puis aujourd'hui, je suis d'aplomb, puis oui, je m'en suis sortie, puis tu sais, faut pas abandonner. Là. Crois-tu que cette journée pleine d'espoir va apporter un nouveau changement dans ta vie? Plusieurs changements? Absolument. Absolument. As-tu des exemples, un petit peu des idées que tu voudrais, des choses que tu voudrais améliorer dans ta vie au quotidien?
Ben, en fait, c'est plus... ça va me donner le push pour faire mes projets, les mettre en action. Puis, ouais, de me voir aller, de ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai le goût encore plus de moi aussi continuer à devenir, mais de façon plus grande, de plus grande échelle. Fait que, oui. De propager le bonheur, oui, avec des gens. Oui. Que voudrais-tu dire aux collaborateurs qui ont contribué à ton bonheur aujourd'hui? Bien, merci. C'est un merci du fond du cœur, parce que c'est venu naturellement et ils ont accepté d'embarquer dans le projet. Ça s'est fait tout seul. Élan de générosité. Un élan de générosité. Regarde ça, je trouve ça fantastique de voir ça dans ma ville. Je suis vraiment fière de ma ville en ce moment. Là. Ouais, là. C'est la série sur le Sunday. OK. Jacinthe Bouffard, fondatrice et directrice de l'agence Manquillema, offre à ta fille une formation complète dans les mannequins. Ce cadeau a une valeur de 250$. Merci. Comment vous avez fait? C'est que... Comment vous avez fait ça pour savoir que... Mais voyons donc, je suis tombée par terre, là. C'est que je pouvais tellement pas y offrir ça. Tu sais, j'ai rien donc voulu. Puis, c'est ma fille. Elle aime ça, elle aussi, elle aime la faire faire des projets. Puis, c'est toujours voulu l'encourager le plus possible. Quand on a les maudites barrières financières qui t'empêchent de le faire. Hey, c'est quelque chose qu'ils font là, là! Oui, le message, ça donne aussi à ton enfant. Mais oui! Je suis très pour elle, là. Hey, oui. Je suis contente, j'ai hâte d'y annoncer, là. Oui, ça fait plaisir. Ah, oui. Ah, merci. Félicitations. Je désire remercier nos collaborateurs, car grâce à vous tous, cette journée de rêve est devenue réalité. Merci à la Tablée populaire, au comptoir alimentaire, au Carrefour d'entraide de Drummond, centre d'action bénévole, pour votre implication. Nous remercions également nos partenaires sur les réseaux sociaux, qui sont la Brigade du bonheur, de la paix et de l'amour, Mouvement Positivité, Rénovons le Québec et les Anges de la rue. En terminant, souvenons-nous que c'est l'être humain avant tout. Parce que l'être humain, lui, a une valeur inestimable. Maintenant, c'est à votre tour de propager le bonheur. À très bientôt!